Dans la danse complexe de la vie, il existe un phénomène particulier, l'autosabotage. C'est l'art subtil de travailler contre soi-même, souvent sans même s'en rendre compte, malgré le potentiel de faire de meilleurs choix. L'autosabotage peut se manifester à travers des actions, des paroles ou des pensées, allant de la simple procrastination à des dynamiques relationnelles complexes. Pourtant, pour beaucoup pris dans son étreinte, les raisons derrière ce comportement contre-productif restent évasives, les piégeant dans des cycles qui entravent la croissance personnelle et le progrès. Au cœur de l'autosabotage se trouve un sentiment d'insuffisance persistant. Lorsqu'on manque de confiance en ses capacités ou qu'on se sent indigne de succès, se contenter de moins devient la norme. Les expériences d'enfance de maltraitance ou de négligence peuvent profondément imprégner des sentiments de faible estime de soi, enracinant la croyance que l'on est intrinsèquement défectueux ou incapable. Par conséquent, la simple idée de chercher l'excellence semble futile, conduisant à un cycle d'autodestruction. Pour relever ce défi, il est essentiel de travailler sur l'estime de soi, de rechercher un soutien psychologique, d'acquérir de nouvelles compétences, de cultiver le bien-être et de s'entourer d'une communauté de soutien. En combinant ces approches, il est possible de briser le cycle de l'autosabotage et de progresser vers une vie plus épanouissante et gratifiante. Ironiquement, la peur peut se tapir non seulement dans l'échec, mais également dans le succès. La simple perspective d'atteindre ses objectifs peut éveiller le doute et l'appréhension, nourrissant ainsi la croyance selon laquelle le succès est hors de portée ou non mérité. Les préoccupations concernant les répercussions du succès sur les relations ou les responsabilités peuvent également alimenter des comportements d'autosabotage tels que la procrastination et l'autocritique, érigeant ainsi des obstacles sur le chemin de la réalisation du potentiel. Pour approfondir cette réflexion sur la manière dont nos pensées peuvent nous tromper et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel, je recommande vivement le livre « Ne pas croire à tout ce que l'on pense ». Vous pouvez également écouter des discussions enrichissantes sur ce sujet sur notre chaîne Kelly Tom French. L'idée directrice du livre « Ne pas croire à tout ce que l'on pense » y est que nos pensées ne sont pas toujours une représentation précise de la réalité. L'auteur explore comment nos pensées peuvent être influencées par des biais cognitifs, des schémas de pensée automatiques et des expériences passées, nous conduisant parfois à des conclusions erronées ou à des comportements d'autosabotage. En remettant en question nos pensées et en adoptant une approche plus critique et réfléchie, nous pouvons mieux comprendre notre propre fonctionnement mental et prendre des décisions plus éclairées pour améliorer notre bien-être et notre réussite. Paradoxalement, la peur de l'échec peut pousser les individus à saboter leurs propres efforts comme moyen d'autopréservation. Submergés par le spectre de la déception, certains peuvent éviter même de tenter des tâches, tandis que d'autres sont consumés par l'anxiété, perdant de vue des voies constructives vers le succès. Dans cet état de paralysie induite par la peur, les opportunités s'évanouissent et le progrès stagne. Pour surmonter la peur de l'échec et les comportements d'autosabotage qui en découlent, je recommande vivement le livre « Le pouvoir de la pensée positive » et de Norman Vincent Peal. Ce livre offre des stratégies pratiques et des techniques éprouvées pour cultiver une mentalité positive et surmonter les obstacles mentaux qui entravent le succès. En s'appuyant sur des principes de psychologie positive et de développement personnel, l'auteur propose des outils pour transformer les pensées négatives en pensées constructives, surmonter l'anxiété et retrouver le chemin de la réussite. En lisant ce livre, les individus peuvent acquérir des perspectives nouvelles et inspirantes qui les aideront à surmonter la peur de l'échec et à avancer avec confiance vers leurs objectifs. La nature humaine est attirée par le familier, même lorsque cela conduit au préjudice. Les expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent inciter les individus à répéter des schémas ou des suppositions, en favorisant un faux sentiment de sécurité. Le confort dans le connu peut aveugler aux nouvelles opportunités, étouffant la croissance et perpétuant l'autosabotage. Si vous vous sentez piégé dans le cycle de l'autosabotage en raison de leur attachement au familier, je recommande le livre « La puissance du moment » présent d'Eckhart Tolle. Dans cet ouvrage, l'auteur explore comment les schémas de pensée conditionnés par le passé peuvent nous maintenir prisonniers du passé et nous empêcher de vivre pleinement dans le moment présent. Tolle offre des conseils pratiques pour cultiver la pleine conscience et l'acceptation de ce qui est, nous libérant ainsi des pièges de l'autosabotage induits par notre attachement au familier. En apprenant à vivre dans l'instant présent, les lecteurs peuvent développer une plus grande ouverture aux nouvelles opportunités et une plus grande résilience face aux défis, leur permettant ainsi de briser le cycle de l'autosabotage et de réaliser leur plein potentiel. Le champ de bataille de l'autosabotage se situe souvent dans l'esprit, où des pensées contradictoires font la guerre à la clarté et à l'action. Lorsque le dialogue intérieur contredit les valeurs ou les aspirations de quelqu'un, la prise de décision devient ardue et le progrès stagne. Le doute et l'indécision engendrent l'inertie, piégeant les individus dans un cycle de doute de soi et de frustration. La pression constante pour se conformer peut contraindre les individus à trahir leur authenticité, sacrifiant leurs valeurs personnelles pour obtenir une acceptation sociale. Que ce soit par peur du rejet ou désir d'éviter les conflits,
Céder aux attentes externes érode la confiance en soi et nourrit les conflits intérieurs, alimentant les comportements d'auto-sabotage. Si vous ressentiez une certaine pression pour vous conformer aux attentes des autres, c'est difficile de rester fidèle à soi-même lorsque cette pression sociale est présente. Peut-être devriez-vous envisager de consulter le livre « L'art subtil de s'en foutre » et de Marc Manson. Il aborde ce sujet de manière vraiment intéressante et offre des conseils pratiques pour rester aligné avec vos propres valeurs tout en naviguant dans un monde où les attentes sociales sont nombreuses. Ce livre pourrait vous fournir des idées précieuses pour surmonter les comportements d'auto-sabotage qui peuvent survenir lorsque vous essayez de répondre aux attentes des autres. Dans une tentative désespérée de maintenir une certaine forme de contrôle, certains choisissent de saboter leurs propres efforts, considérant l'échec selon leurs propres termes comme préférable à des revers imprévus. Pourtant, cette illusion de contrôle dissimule une peur plus profonde de la vulnérabilité, perpétuant un cycle d'autodestruction et entravant la croissance personnelle. Au cœur de l'auto-sabotage se trouve un prix élevé en termes de bien-être mental et physique, érigeant des barrières au succès et à l'épanouissement. La culpabilité, l'anxiété et la dépression accompagnent souvent sa présence, privant les individus de joie et de vitalité. Les relations en souffrent, les opportunités sont manquées et le potentiel reste inexploité. Pour rompre les chaînes de l'auto-sabotage, l'introspection est essentielle. En cultivant une conscience des schémas de pensée et des comportements, les individus peuvent découvrir les racines des tendances autodestructrices et les remplacer par des croyances et des actions valorisantes. Alors seulement, le voyage vers l'autoréalisation peut vraiment commencer. Je vous invite à explorer les livres audio disponibles sur notre chaîne pour enrichir votre vie sur les plans personnels, professionnels et social. Ces livres offrent une mine d'informations précieuses et de conseils pratiques pour vous aider à vous élever et à réaliser votre plein potentiel. Que vous recherchiez des conseils sur la gestion du stress, le développement personnel, la réussite professionnelle ou les relations interpersonnelles, vous trouverez certainement des ressources utiles pour nourrir votre croissance personnelle. Alors, prenez le temps d'écouter ces livres audio et découvrez comment vous pouvez vous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Si cette exploration vous a été utile, envisagez de la partager avec d'autres sur leur propre chemin de découverte de soi. Pour plus de contenu éclairant, abonnez-vous à notre chaîne Kelly Tom French et embarquez pour un voyage de croissance et de transformation. Ensemble, naviguons dans le labyrinthe de l'auto-sabotage et émergeons victorieux de l'autre côté.